Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau test. On va déjà commencer par l'intro. Eh bien, salut à toutes et à tous. Comme je disais, on va faire un nouveau test. Donc là, je tourne avec OBS et plus avec XSplit. Donc s'il y a des bugs de transition, ne vous étonnez pas, ça peut arriver. J'ai pas trop l'habitude encore d'OBS. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter Duke Nukem 3D, le 20e anniversaire World Edition. Une version qui coûte 20 € sur Steam, que je trouve nettement trop cher pour le contenu, mais qui a quand même son lot de nouveautés, et je vais vous montrer ça. Donc il y a des trucs qui sont quand même super cool. J'ai fait deux niveaux, deux des nouveaux niveaux. J'ai bugué le truc là. J'ai fait deux des nouveaux niveaux dans le jeu. Je les ai trouvés excellents. Donc je vais vous montrer ça. Je vais changer le truc. Voilà. Et je vais lancer le jeu. Voilà. Ok, donc il y a une petite intro qui est sympa au début. Au niveau. Attendez, hop, là je vais juste baisser le son. Voilà, il y a une petite intro qui est sympa au début du jeu, enfin au lancement du jeu. Ensuite, donc, on est sur un nouveau menu, je vais vous montrer tout ça. Le jeu, alors j'ai pas testé la manette, j'ai pas testé le multi non plus. À mon avis, il doit y avoir du monde maintenant, parce qu'il est sorti hier. Enfin, il est sorti cette nuit en France à 2 h du matin. Donc quand je dis cette nuit, nous sommes le 12 octobre 2016, et en fait, il est sorti ce matin à 2 h du mat. Donc ça se trouve, la vidéo, elle sortira peut-être pas ce soir, peut-être demain, donc le 13. Voilà, bref. Donc vous avez ce qui nous intéresse, alors vous avez le compte Shift, je sais pas ce que c'est encore, quand vous cliquez dessus ça vous amène sur un truc chez Gearbox, enfin chez un truc Shift, je sais pas ce que c'est, bon je sais pas encore ce que c'est. Il faut savoir que le jeu, grosse déception, le jeu n'est pas compatible en tout cas pour l'instant, Steam Cloud. C'est-à-dire que si comme moi vous avez plusieurs machines et que vous voulez enregistrer vos parties, eh ben ce n'est pas compatible. Moi je trouve ça aberrant mais simplement hallucinant. Vraiment, hein, vraiment hallucinant que le jeu ne soit pas compatible, je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà, au niveau des options, bah, vous pouvez paramétrer donc la TH. Il y a un truc qui est super sympa, donc vous pouvez censurer le jeu. Vous pouvez toujours courir et les stats des niveaux, tiens, on va l'afficher. Et vous pouvez afficher les commentaires de développeurs. Donc j'avais partagé une image sur mon Facebook, sur les commentaires de développeurs. Parce qu'une image qui montrait donc les... un screenshot de Hollywood Holocaust qui montrait un espèce de gros sprite avec un micro. Et quand vous activez ça, vous avez des sprites avec des micros de partout, des commentaires de développeurs. Alors je sais pas si c'est des commentaires au moment du développement du jeu ou des commentaires qui ont été créés pour, avec des anecdotes, pour la sortie du 20e anniversaire. Le problème c'est que les commentaires sont tous en anglais, donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, les sons, il n'y a rien de spécial, la voix de Duke... Vous pouvez mettre les dialogues classiques, alors en fait les voix ont été remasterisées. Donc c'est à dire que vous avez des intonations qui ont été refaites, tout ça, donc ça pourra vous déplaire, vous allez écouter. Moi je trouve ça sympa, c'est beaucoup plus clair, le son est beaucoup mieux rendu. Ils ont quand même gardé la plupart des sons de Duke Nukem, donc, enfin ils ont tout gardé, qui sont en mono. Je crois que tous les sons sont en mono, alors que les voix là elles passent en stéréo, donc ça fait un petit décalage. L'ambiance, tout ça, les paramètres vidéo, il n'y a rien à... Franchement, il y a rendu vrai 3D ou fausse 3D, je vais vous montrer ce que c'est. Le plein écran, la résolution. Alors, résolution... Ouais, bon, l'occlusion ambiante. Alors, l'occlusion ambiante, c'est les effets de couleur, les petits allumages, enfin les effets de lumière qui sont sympas. Je vais passer en plein écran. J'espère que ça va pas me bugger le test. Voilà, et là je passe en 1080p. Voilà. Réglage des contrôles, alors gros problème aussi. Alors vous avez le réglage de la souris, et vous avez pas mal de choses. Le clavier et la manette. La manette, j'ai pas testé. Le clavier, en fait, le jeu est en clavier américain, donc avec les touches américaines. Au lieu de ZQSD, vous avez WASD. Et donc ce qui fait qu'il faut refaire, il faut mettre ses. Remettre d'aplomb ces touches. Et sachez aussi que la touche C par défaut, ça sera pour changer les graphismes. Je vais vous montrer ça. Ça sera pour changer les graphismes. Moi, C, je l'utilise pour me baisser.
Donc j'utilise pas contrôle de gauche. Au bout d'un moment, mes doigts ils arrivent plus à suivre. Donc voilà, donc en fait moi j'ai mis contrôle gauche pour changer les graphismes. Allez, je vous montre tout ça, je vous montre déjà le premier niveau et après je vous montrerai les niveaux spéciaux. Alors vous avez aussi les cartes workshop, donc je sais pas encore comment ça marche, mais théoriquement on pourra avoir accès à des cartes très facilement. Donc ça c'est super cool. Comme vous avez pu voir aussi depuis tout à l'heure, le jeu est totalement en français. Vous avez tous les noms des niveaux en français, tout est en français. Et là, là je vais vous spoiler, attention je spoil tous les nouveaux niveaux. Voilà. Et donc on va fusion à LA. Donc Holocaust à Hollywood, Hollywood Holocaust, quartier chaud, bah c'est voilà, c'est le quartier avec le striptease, tout ça. Comme je disais, le jeu, donc 20 euros, vous avez les 4 anciens niveaux de la version Atomic Edition, donc avec la décharge toxique qui est, je vous montre la vidéo. Piece of cake. Yeah. Je vous montre la vidéo qu'ils avaient incluse dans I l'Atomic should Edition. have known those aliens. Qu'est-ce que je dis? Non, mais qu'est-ce que je dis? C'est là. Naissance. Impossible. Et là. Let's rock. Parce que vous pouvez choisir les niveaux. Duke, nous avons un nouveau problème ici. Et vous avez la vidéo de la femme qui était en train d'accoucher, en fait, qui était la reine alien. Et là, les monstres qu'on voit là, c'était des nouveaux ennemis. Et sachant qu'ici, il y a un nouvel ennemi et une nouvelle arme. Alors, une nouvelle arme, vous allez voir, c'est sympa, mais c'est aussi du foutage de gueule. Vous allez comprendre. Donc, je vais vous montrer, donc, Hollywood Holocaust. Let's rock. Alors, je mettais un peu pour les voix. Damn, those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride. Alors, il faut savoir que le jeu à l'origine était conçu pour tourner avec une. Juste avec le clavier. À l'origine, c'est vraiment le clavier, le clavier. C'est con parce que là, il y a un éclairage, il y a pas d'éclairage. Bon, bref, c'était le clavier à l'époque et donc on n'avait pas de. On visait pas de cette manière, on visait vraiment comme ça. On tournait, bon là j'ai pas les. Si j'ai. Voilà, on tournait. Et on levait pas vraiment la tête en fait à l'époque. Bon bref, donc c'était comme ça. Et en fait, je vous montrer les graphismes quand je vais descendre. Je vais fracasser l'autre mec là. Voilà. Donc là, vous avez un des trucs les plus connus. Je vais vous changer les graphismes. Voilà. Ça, c'est les anciens graphismes. Donc vous regardez, hein. Quand on bouge avec la souris, ça fait limite mal au crâne. Tac, et voilà. Là, les nouveaux graphismes. Donc ils ont travaillé un truc, hein. Je m'attendais vraiment à du caca et en fait, non, c'est pas mal. Regardez, rien que les immeubles là. Voilà. C'est con, mais je trouve ça génial. Et en fait, les nouveaux graphismes, moi je les trouve super sympas. Enfin, ils ont fait un, merde, ils ont fait un vrai moteur de rendu 3D et pas de, de moteur 2D en fait. Il y a des limites partout là. Voilà, bon, je speed un petit peu. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à. Et là. Much better. Et là, vous savez, depuis que je suis petit, j'avais cru qu'il disait That's better. En fait, non, c'était Much better. Et là, le Kill Me, par exemple, il est. Le Kill Me, il est en mono, donc ça change vraiment la. Toujours se méfier des ennemis qui meurent, qui font oh, parce que les mecs en fait ils peuvent ne pas être vraiment morts, donc faut toujours, voilà, par exemple là, faut toujours ah putain, je vais y arriver, les achever. Bon là j'ai toutes les stats hein, du niveau qui sont en haut à gauche, parce que vous pouvez les afficher, donc le nombre de tués, tout ça. Cool.
Yeah, bitches. Bitches again. Don't have time to play with myself. Vous voyez, les intonations sont vraiment, vraiment pas les mêmes, quoi. Je l'entends. Ah, je le voyais pas. Salopio. Donc les ennemis sont toujours en 2D. Hein. De toute façon, après niveau 2D, 3D, ça a pas changé, bien sûr. Je sais pas, j'avais un jetpack. Ah oui, j'avais un jetpack. Et genre, il me semble, hein, il me semble qu'il y a un passage secret, mais je me rappelle plus ici. Non, il y a pas. Je me rappelle plus s'il y avait un passage en fait. Alors c'était peut-être dans une carte modifiée, je me rappelle plus. Bon bref. Donc là, hop, voilà, je vous ai fini le premier niveau. Bon là, j'ai traîné, hein, traîné à la mort, j'ai pas tout trouvé. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Donc là, je vous ai montré un niveau et maintenant, je vais vous montrer les nouveaux niveaux. Quoique, si on allait dans les, on va essayer. Ouais, mais là, le temps d'aller à dans la boîte de striptease. Et le problème, c'est que quand on commence à... Ah, bug, gros bug, j'ai ouvert la porte, je me suis fait exploser. Ah oui, bah tiens, ça me permet de vous montrer un truc. Vous pouvez retourner en arrière. En fait, tout votre niveau est enregistré. Vous pouvez retourner en arrière avant de mourir. Ce qui fait que si vous n'avez pas sauvegardé, bah... Ah bah, vous pouvez retourner en arrière. Donc ça simplifie énormément le jeu. Mais vraiment énormément, parce qu'il vous suffit de retourner un petit peu en arrière. Et puis c'est bon, quoi, donc... Ouais, alors il y a les effets aussi de balles et tout, ça c'est super cool. Donc les vous avez, regardez, hop, un petit effet de lumière faite par la, réalisé par la détonation. C'est vrai que d'habitude je passe pas par là en fait. En fait, j'avance assez bien, je vais tout pouvoir aller dans la boîte de striptease. Oui, je connais les codes par cœur de ces niveaux. Donc là, le rendu stéréo est vraiment excellent. On va faire un changement. Ouais. Il y a vraiment un changement radical au niveau des effets de lumière, tout ça. Donc c'est con, hein, mais c'est super sympa. Est-ce qu'ils ont corrigé ce truc ? Parce que ça, c'est vraiment, pour moi, ça c'était vraiment le level où bah si t'es où t'étais niqué en fait, parce que j'ai jamais réussi à trouver le à ce moment comment sortir si t'arrivais de ce côté-là. Voilà. Ah oui, au lieu de faire maintenant il a un autre bruit. Voilà. Bah ouais, bah ils ont pas corrigé le truc, j'ai jamais compris. Alors si vous avez l'info, c'est vrai que j'ai jamais cherché non plus. Hein. Allez, on va aller juste dans la boîte de striptease et puis après on... je vais vous montrer le nouveau niveau. Come get some. Et si vous ne le saviez pas... I'm looking good, bitches. Si vous ne le savez pas, quand vous pissez et que vous avez moins de 100 points de vie, ça vous ramène un peu de points de vie. Bouge bébé. Je bourrine un peu. Hein. Yeah.
Alors les voix sont... Merde, oh putain j'ai fait le con. Oh putain, bah voilà, là j'ai fait le con, j'ai vraiment fait le con. Il suffit que je retourne un petit peu en arrière. Et voilà. Moi je me rappelle dans le jeu original, la musique là du club de striptease, je l'avais changé. Je l'avais changé parce qu'on pouvait modifier le, avec les fichiers, avec les, le fichier d'édition. Yeah. Ah t'as fait les autres voix. You wanna dance, yeah. Alors on se fait une nouvelle partie, on va faire la domination extraterrestre et on commence par un bon moment. Là vous allez voir ça change totalement, mais vraiment totalement les graphismes. Les musiques sont sympas. Alors j'ai vraiment pas, je suis pas sûr que ce soit du MIDI hein, comme à l'origine. Vous voyez hein. Oh putain. Ok, on commence le premier niveau. Alors, moi j'ai fait les deux premiers niveaux et j'avais pas eu ce passage donc. Alors ils ont rajouté quelques trucs, donc notamment on voit donc les décors. Hein. Attends lui parce que lui il m'énerve là, il est où? Voilà. Donc là vous, ils ont rajouté donc des vélos. Alors là c'est des vélos qui sont collés. Hein. Vous avez les décors qui changent vraiment 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 par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Des vélos qui sont rangés. On peut pas être, aller de partout bien sûr. Donc vous avez, bah ici il faut la carte, j'ai la carte. Merde. Alors en fait, ouais ici c'est la fin du niveau. Mais c'est la fin du niveau, mais il faut activer un autre truc pour activer vraiment le passage qu'il faut. Vous voyez le baby-foot. La musique que vous entendez là, c'est un remix de... comment c'est, Stacker, je me rappelle plus. La musique du level 1 en fait. Donc là c'est pas du MIDI quoi. C'est pas une base de MIDI, c'est clair et net. Mais c'est pas grave, après la musique je trouve elle colle super bien. La musique du level 2 elle est beaucoup plus discrète. La musique du level 1 elle envoie un peu. Alors. Donc tac tac, de toute façon c'est rien que j'aille là. Donc là vous avez un... Des plants de cannabis. Là, il faut que j'active un truc. Là. Hop, je récupère la carte. Et là. Bon, après, je suis pas obligé de tous les tuer, hein. Donc j'ai récupéré une nouvelle carte qui va me permettre d'aller... Alors c'est pas très compliqué mais en fait je pensais que les niveaux allaient être courts et pas du tout, ils sont assez longs et ça c'est quand même plutôt cool. Merde, c'est, je sais plus où il faut aller, je me suis perdu. Là-bas. Alors là on va tomber contre des nouveaux ennemis, vous allez voir. Là, il faut que j'active là. Come get some.
Là, il est là le nouvel ennemi. Vous allez voir pourquoi. Putain, partout. Pourquoi il est casse-bonbon, vous allez comprendre. Putain, mais ils sont où? Là. Et ça, il explose. Quand vous le tuez, il explose. Et quand il explose, il peut vous brûler. Donc là, il est tout petit. Il y a un ennemi derrière moi. Et quand vous brûlez, et bah ça vous use plein de vie. Faut faire gaffe parce que c'est quand même nerveux. Hein. Vous allez comprendre ce que je voulais vous dire. See you in hell est là. Il y a pas mal d'ennemis. Bon là c'était pas trop compliqué. Wow, putain. Putain. Voilà. Voilà pour quand je disais que ça chauffait un petit peu. On va aller juste un petit peu en arrière. Si ça permet de vous montrer un peu plus. Putain. Je déteste ces ennemis. Parce qu'en fait cet ennemi pour éviter ces trucs c'est toujours galère. Là il m'a cramé. Donc là les munitions rouges, munitions incinérateurs, vous allez comprendre quand je vous dis que c'est des. C'est un peu du foutage de gueule, vous allez le comprendre. Alors hop, 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 hop. Non, on peut pas y aller. Ah, c'est là. Je repars par là. Et puis je sais plus où c'est. Ah merde, c'est bah c'est je voilà. Bim. Voilà. Succès déverrouillé. Donc là j'ai fini le premier niveau. Il y a la musique qui est un peu plus discrète. Mais je trouve que les niveaux sont super bien construits. Et là, vous avez. À votre avis, je suis où là? I'm back. Et là, je vous ai coupé le. Je vous ai coupé la voix, je suis con. Là, j'ai un peu vite là en fait. La musique est super sympa, c'est une musique que vous connaissez. Remixée. Tu 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 tu. L'ennemi dans une poubelle. Alors. Oula. Ouais, j'avais le jeu qui laguait. Est-ce que j'ai récupéré? Non, j'ai pas récupéré de clé. C'est vrai que je brûle carrément trop quand même. Hein. Il me semblait que j'avais changé les graphismes. Parce que là on a le truc, et voilà, et là c'est quand même mieux. C'est vrai que j'avais changé les graphismes parce que la maniabilité est pas la même. Donc là il y a un truc là-haut. Ah oui, on peut passer là. Natasha and Nastia. Là, faut faire gaffe parce que là il y a plein d'ennemis, là surtout des porcoflics. Et les porcoflics, comme vous le savez, eh ben ils font pas du bien. Putain.
Alors je trouve qu'il y a vraiment une ambiance hein, pauvre, je trouve une ambiance assez pauvre de de la ville. Alors tout à l'heure je suis resté bloqué un petit moment, je sais plus où fallait passer. Ah oui, là. Hail to the king, baby. Ah. Je suis pas passé là, tiens. Bon, bah, il doit y avoir un autre passage ici. Bon, bref. J'ai récupéré, je crois, une clé. Je suis pas sûr si. Voilà. Ah, putain. Là, ça va être quand même tendu là. Allez, hop. Donc oui, c'est de la triche. Après, c'est vrai que moi, à l'époque, moi, ce que je faisais, c'était, ah, je vais y arriver. À l'époque, j'avais des, je faisais des sauvegardes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauvegarde, 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 sauvegarde. Je crois que c'est là l'autre. Ah oui, mais je sais pourquoi je suis resté bloqué tout à l'heure. Parce qu'en fait, on revient. Putain, on revient au début. Voilà, là on revient au début en fait. Et sauf que. Et ben sauf que voilà, il faut passer là. C'est bien de chercher les petits passages secrets, c'est important. See you in hell. Ah, j'adore. Je viens de les voir. Voilà. Ah ouais, parce que là, il va y avoir un truc balèze. Ouais, pour descendre, c'est là. Alors, bug, oui, là, quand vous activez le switch, la plateforme elle descend toute seule, donc faut faire gaffe. C'est vrai qu'il y a 153 ennemis dans sur cette map. Ça m'a toujours fait rire les mecs qui se téléportent. Le gars il se téléporte, mais sauf que je l'ai tué et quand il réapparaît, bah il explose. Il explose ou il crève tout simplement. Alors hop. Allez. Et vous voyez les niveaux, je trouve qu'ils sont vraiment bien construits. On démarre dans une espèce de ville, puis on arrive dans une espèce de base souterraine. C'est super sympa. Alors là, je pense qu'il y a un bug de porte parce que c'était arrivé tout à l'heure quand j'ai fait la. Parce que tout à l'heure j'ai essayé vite fait le niveau quand j'ai essayé. Et bah, j'avais aussi le même problème. Le mec il sortait pas.
Alors, hop, 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 hop. Oh, qui c'est lui? Vous reconnaissez le deuxième boss? Avec moins de vie quand même. Ah putain! J'étais à côté de lui, trop près. Ouais, mais sauf que là, c'est pas terminé, hein. Là, j'ai rechargé un peu les balles. Il me semble qu'il y avait un autre passage, il y avait un autre endroit. Là. Vous dites putain, il connaît les niveaux par cœur. Non, 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 c'est que je les ai fait tout à l'heure, c'est tout frais. Et mais j'ai découvert. Et c'est super sympa quoi. Les ennemis, il y en a un paquet. J'ai pas grand chose à dire, hein. Je vous montre vraiment les niveaux quoi. Là j'entends des ennemis qui sont encore dans le coin. Vous voyez, vous, si vous brûlez trop, bah voilà où vous pouvez avoir des problèmes. Allez. Et là maintenant, moi je vais avoir des problèmes. Vous allez comprendre pourquoi. Alors je vais pas le faire tout de suite. Oui, il y a plein de balles, plein de trucs. Vous dites forcément qu'il y a quelque chose. Les fusées. Moi, c'est lui qui veut tuer en premier. En soi, le boss il est pas dur hein. Si on a une grande pièce. Ah, par contre, il a beaucoup plus de vie que l'autre que j'ai tué tout à l'heure. Quand il se rapproche trop, faire gaffe parce que s'il vous griffe, il vous fait très mal. Oui, par contre, il a les missiles limités, le salopio. Après j'aurais pu ne pas le tuer. Fin! Voilà! Bon, et après il y a plein de secrets à trouver. Et là on est dans un nouveau niveau. Ouais, en fait c'est pour ça que c'était le World Edition. Parce que vous vraiment vous baladez de partout. Donc lui je le connais pas du tout du tout du tout. Sachez que le... Alors...
a priori, hein, d'après leur pub, hein, c'est que le jeu a été développé par. Enfin, les niveaux ont été créés par les créateurs des niveaux originaux et par. Et les musiques ont été créées. Enfin, les nouvelles musiques ont été créées par le créateur des musiques originales, tout simplement. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir une espèce d'extension d'époque. Et par contre, voilà, pour 20 balles, ça fait un peu cher quand même, hein, pour un jeu. Un jeu aussi vieux. Après, il y a eu quand même un peu de travail, il y a eu des trucs sympas. Bon, juste le Steam Cloud, c'est dommage. Voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Là, je vais arrêter. Bah écoutez, c'est tout. Voilà, j'ai pu vous montrer le jeu. Moi j'adore vraiment. Je m'éclate comme un fou. Les niveaux sont super bien construits. Pour rappel des graphismes, regardez, hop là. Donc là, c'est pas remasterisé. Remasterisé. Pas remasterisé. Remasterisé. Et donc, vous voyez, il y a plus d'effets de lumière. Regardez, hop, les effets de lumière. C'est sympa. Voilà. Bon, bah écoutez. Que je retourne sur mon OBS, que j'ai pas encore configuré les touches de raccourci pour changer les écrans. Si j'y arrive. Allez. Ouais, plein d'écran. Bah voilà, c'est tout. Bah, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que le jeu à 20 € c'est trop cher. Mais s'il est en promo, ou si vous êtes ultra. Si vous êtes fan, vous posez même pas la question. Si vous n'avez pas de réduction, hein, si vous avez la Megaton Edition, vous n'avez pas de réduction, c'est Peanuts, que dalle. Et puis c'était pas les mêmes développeurs. Voilà, donc foncez si vous adorez Duke Nukem. Moi j'adore vraiment, donc j'ai foncé quand j'ai vu l'annonce. À voir après, bon, s'ils suivent, s'ils sortent de nouveaux niveaux, ça serait super sympa. Et puis, bah, sinon, attendez qu'ils soient en promo. Mais c'est un jeu que je vous conseille vraiment. Voilà, bon, bah écoutez, désolé pour la voix cassée, hein, parce que je sors d'une extinction de voix. Bref, bon, bah, je vous prépare un autre live pour Shadow Warrior 2 qui sort demain, toujours sur PC, parce que moi c'est vrai que je joue principalement sur PC. Shadow Warrior 2. Qui sort demain, donc ce sera une découverte que je ferai offline et après je vous posterai la vidéo. Celle-ci, elle devrait arriver très rapidement. Allez, à bientôt, salut à tous, ciao ciao!